cadre des États membres et ça a été sanctionné par des certificats que nous avons émis et très appréciés par ces derniers. Ensuite, enfin, pour ce volet, il y a la formation aussi en droit international de concurrence qui est aussi adressée au cadre des États membres, qui devait se faire en deux sessions, une session à Genève et une session dans l'un des États membres. Et cette activité aussi a eu lieu. La session de Genève a eu lieu encore en juillet passé. La session dans un État membre a eu lieu à Ouagadougou en février dernier. Donc ça, c'est l'économie de ce qui a été fait en matière de concurrence. Maintenant, pour le résultat 2, qui concerne en fait l'opérationnalisation du centre statistique, donc il était prévu, à la suite de l'avenant 3, nous avons proposé, après discussion avec le centre statistique, et je remercie pour leur disponibilité, on a essayé de scinder cette activité en trois nouvelles sous-activités qui consistaient d'abord à faire un état des lieux des systèmes d'information au niveau de la commission, ensuite de mobiliser une assistance technique pour construire un portail web au niveau du centre statistique et ensuite organiser un atelier final sur la fonctionnalité et la mise à jour de ce système. Donc ce qui a été fait avec le centre statistique, c'est l'atelier le diagnostic qui a été organisé en avril à Koudoukou, je crois. Et ensuite, il y a la seconde activité qui concernait en fait le développement, la construction du portail web qui a été entamé. Mais malheureusement, on est confronté aujourd'hui à un problème de temps. Sinon, le processus a commencé, les dossiers d'appel d'offres sont prêts. On a demandé un avis de non-objection de la délégation pour réduire les délais afin d'aller très vite. Mais matériellement, aujourd'hui, on se retrouve à une phase où, si on veut vraiment atteindre ces résultats-là, parce que cet atelier va conduire à la formation qui doit se faire après. Et comme c'est un atelier de 2 mois, après une formation des utilisateurs qu'il faut faire, matériellement, si on veut le faire, on n'atteindra pas ces résultats. On pourra faire une activité, mais le résultat ne sera pas atteint. Maintenant, le comité de pilotage décidera la conduite à tenir. Ensuite, au niveau...